Pour une vidéo concernant Madame Magali Berda et la société Shona Evans. Donc j'ai décidé de laisser tomber le terme Shona Evans parce que j'ai eu du mal un petit peu à comprendre qui était à la tête de quoi aujourd'hui. Et moi ce qui m'intéresse c'est sa fondatrice, donc Madame Berda, qui aujourd'hui rencontre quelques difficultés avec la nouvelle loi concernant les influenceurs. Donc, pourquoi je dis qu'elle rencontre quelques difficultés, c'est parce qu'en réalité, cette dame est une agent et que cette personne donc, se retrouve un petit peu inquiétée concernant la législation à laquelle ces influenceurs sont soumis et qui n'était pas mise en pratique régulièrement dans leurs divers réseaux sociaux et dans leurs publications. Aujourd'hui, M. Delaporte donc, a décidé de prendre à bras-le-corps ce sujet qui a été abordé à l'hémicycle. Et une nouvelle législation est en cours concernant donc toutes les obligations de mention sur les postes commerciaux, les partenariats, les placements de produits. Et on se rend compte que des influenceurs vont ou sont déjà pénalisés par rapport à leurs pratiques anciennes. Donc aujourd'hui, certains essayent de reporter les torts sur Shona Evans, disant ainsi que leur agent était payé pour leur annoncer les contrats qui était judicieux de faire et non pas des arnaques ou des mauvais placements de produits, que finalement c'était à leur agent de pouvoir indiquer également les mentions légales obligatoires à faire paraître sur leur story Snapchat ou Instagram ou TikTok. Et on se retrouve avec une Magali Berda qui se fait régulièrement remettre en place par Booba, rappeur très connu bien entendu, je vous apprends rien. Et grâce à Booba, et entre autres, hein, puisqu'il y a eu quelques influenceurs qui ont essayé avant, mais qui régulièrement se sont fait corrompre par un système bien véreux. Donc, il y a quelques influenceurs qui ont résisté. Je ne fais de pub pour personne ici. Néanmoins, donc, ce système d'arnaque bien huilé a été quand même bien mis à mal grâce à Booba. Donc, Booba a révélé un petit peu. Là, c'est une carte qui est tombée. L'arbre qui cachait la forêt, comme on dit. C'est une expression qui me parle bien pour ce phénomène. Et je vous assure que je suis plutôt satisfaite d'apprendre que ces lois vont enfin être respectées. Car il y a eu vraiment de grosses dérives et une façon commerciale de procéder plus que douteuse. Donc il était temps un petit peu de remettre les choses en ordre et d'indiquer à ces petites personnes qui ont participé à quelques émissions dans leur vie, que c'est pas le Graal non plus et que finalement on doit respecter son public, c'est très important. Alors bien entendu, tous les influenceurs ne sont pas concernés et je parle essentiellement des influenceurs de télé-réalité puisque Magali Berda les connaît très bien. Donc ce qu'on nous apprend ici avec cette carte, c'est une instabilité financière, du gaspillage et des dépenses. Elle est sortie à l'envers. Donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui a conduit effectivement à des dépenses et puis à un système qui coule. On a pu entendre Julia Paredes, qui a participé à plusieurs émissions de télé-réalité dans le passé, annoncer que ses revenus étaient passés de 35 000 euros mensuels à 5 000 euros depuis le scandale sur les influenceurs, le monde de la télé et leurs produits.
Donc, je vais tirer trois cartes également pour Magali Berda afin de connaître un peu son état d'esprit dans le passé, ce qu'elle vit pour l'instant et qu'est-ce qui pourrait lui arriver dans le futur éventuellement par rapport à son business et ses entreprises. Bien sûr, je ne me permettrai pas de parler de la vie privée des gens si ce n'était pas des gens inconnus, hein. Mais aujourd'hui, quand on est médiatisé, il faut accepter aussi qu'on peut susciter l'intérêt et la curiosité des gens qui ont généreusement envoyé beaucoup d'argent dans le passé, peut-être encore actuellement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour Magali et puis son business? Je commence là aussi par trois cartes. C'est vrai que, alors après, c'est de la télé-réalité, du divertissement. Ils n'ont aucun, normalement, discours politisé ou c'est pas à eux d'éduquer les enfants des gens, ça j'en ai bien conscience. Néanmoins, quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur son téléphone, qu'on fait des millions de vues, qu'on accepte l'argent des petits, encore? Tiens donc. La reine de bâton et le 10 de coupe. Oui, on a quand même une certaine responsabilité malgré tout. Quand on accepte les avantages, on ne peut pas refuser les inconvénients. Donc comme je le disais tout à l'heure, par le passé, elle a eu une cohésion d'équipe, il y a eu de la coopération. C'était des tensions qui étaient apaisées. Dans le passé, tout allait mieux. Alors on sait que dans une première vie, elle a eu des problèmes judiciaires. Concernant une entreprise et une arnaque pour laquelle elle a été condamnée par la justice, donc ça je peux me permettre de le dire. Donc ça c'était ce qui s'est passé auparavant. Aujourd'hui, avec la reine de bâton, on nous apprend, puisqu'elle est à l'envers, que c'est bien une personne qui est superficielle, qui est manipulatrice. Voilà, donc on est vraiment dans la manipulation, elle est carriériste. Quelqu'un de carriériste. Et pour le futur, avec la coupe, donc du coup là c'est le 10, qu'on voit bien donc deux serpents entremêlés autour d'une fleur qui semble reliée à une poche d'eau. Et donc du coup là on est sur une représentation qui donc à l'envers fait part d'un manque d'harmonie dans le foyer. Il va y avoir des grosses querelles au niveau de sa famille, hein. Il y a quelque chose qui va pas dans sa famille là. Mais on n'est pas là pour parler de sa vie privée, on est là pour parler de sa vie professionnelle. Et je vais bien me contenter de rester sur cet aspect. Je crois que ce ne serait pas correct d'aller voir ce qui se passe avec Monsieur Teboul, comme elle l'appelle. Je vais rajouter donc trois cartes, comme tout à l'heure. Et je vais essayer d'avoir plus d'informations concernant Magali et son business. C'est des tirages un petit peu plus légers pour moi et ça fait du bien aussi. Avec le sujet précédent sur Tariq Ramadan, j'ai quand même ressenti que c'était pas des belles énergies, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Alors, j'essaie vraiment en les regardant à l'envers, mais je crois que je vais devoir de nouveau les retourner. Je vous prie de m'en excuser. Mais pour moi, c'est quand même nettement plus facile d'avoir les cartes à l'endroit. Alors, là, on est sur le 8 de deniers qui représente un très beau paon doré qui est sur un cœur. La carte est arrivée à l'endroit. On voit également une main qui apporte un présent à ce paon, malgré qu'il lui tourne le dos. Donc cette carte indique en fait une certaine discipline, quelqu'un qui est dans la maîtrise, une experte, quelqu'un qui est passionné par son travail. Donc on est bien sur le tempérament de Magali Berda, qui est quand même une femme d'affaires très forte. On ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir mener sa barque, c'est une vraie femme d'affaires. Donc oui, effectivement, dans le passé, c'est quelqu'un auquel on pouvait
facilement attribuer une indépendance financière, on va dire une certaine discipline. C'est vraiment quelqu'un qui était passionné par ce qu'elle faisait avec cette carte. Ici, pour le présent, avec le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir nous dire? On voit ce jeune homme qui est sur un condor, on dirait, un condor, donc un oiseau céleste, très grand, mais un condor d'or. Ici, ça nous indique une situation de confiance en soi. On peut voir que c'est un guerrier. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'aplomb. Donc, on voit qu'aujourd'hui, bien que la situation ait pu être compliquée, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de rapidité d'action, qui a gardé quand même son charisme, ses ambitions, son arrogance aussi, hein. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur Magali Berda. Elle est très arrogante quand même par rapport à la situation. C'est vrai qu'on la voit aller s'entretenir régulièrement, en tout cas, on en a entendu parler pendant un temps, avec des ministres pour proposer des lois, pour réglementer le système de l'influence. Et sachant que c'est elle qui l'a mis en place un petit peu, enfin, ça a été une des premières en tout cas à pratiquer ceci, et puis alors à ne absolument rien réglementer finalement, je trouve ça un petit peu surprenant. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le moment. Et donc, avec la Lune, qui représente un astre de peur en général et les illusions, on apprend qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit dans la confusion. Aujourd'hui, on apprend que c'est vraiment quelqu'un qui a une part d'ombre, une vraie part d'ombre en elle, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va agir de manière à clarifier un petit peu les situations pour les autres, mais qui crée la confusion, quoi. C'est quelqu'un qui tente de clarifier les situations médiatiquement, même si pour elle, rien n'est acquis, rien n'est réglé. Elle trompe un peu son monde. Je pense qu'elle essaye aujourd'hui de se battre et plus tard, elle devra garder la face. Mais rien de très inquiétant pour elle non plus au sujet de son métier. Je vais pas recouvrir, non, je vais prendre le jeu de haut pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à sa personnalité, si on peut apprendre quelque chose de supplémentaire. Donc c'est vrai qu'on en a su déjà énormément parce que des personnes comme Nabil Flix, Marc Blatta, Best of Télé, des gens comme ça, des youtubeurs qui. J'ai la carte nue qui s'est retournée. Qui ont déjà dénoncé plusieurs fois les arnaques, la personnalité douteuse, la façon dont elle traite les gens qui travaillaient avec elle. Elle a été enregistrée à son insu. On a entendu vraiment parfois sa personnalité ressortir dans certains audios et c'était pas joyeux. On a entendu son père dire des horreurs sur elle. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans la polémique tout au long de sa carrière et de sa vie perso. Pas forcément dans les bons sujets de polémique. La honte. Magali Berda. Stupide. Bien sûr, ça peut être une situation. Pas forcément. Je me permettrai pas. La confusion. Et je vais en tirer trois autres sur les business de Magali Berda. On a la culpabilité, coupable. Supprimer. L'attitude. Ok, je vais recouvrir ces cartes et on va voir ce que ça va pouvoir nous indiquer. Je vais en prendre une comme ça aussi pour voir la direction qu'elle prend. Deux poids, deux mesures ou la détente, l'amusement, hein. Je vais en prendre une autre.
Ouais, vraiment un côté dissonant. Il y a quelque chose en elle qui est de l'ordre de. Je ne vais pas utiliser de termes qui ne m'appartiennent pas et qui sont psychologiques, mais ouais, une instabilité, quoi, un désaccord avec elle-même, quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer en elle. Il y a une immaturité, hein. Une vraie immaturité aussi. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. J'en ai exactement deux qui sont tombées. Je ne sais pas si je les garde ou pas. Je vais les mettre de côté. Mais elles me parlent. Ah bon, je vais les garder pour plus tard. Je ne voulais pas procéder ainsi. Voilà. Elle a honte d'avoir joué de la mandoline, d'avoir été dans un blabla. C'est la honte aussi des parents, des ancêtres. Il y a une honte d'un couple peut-être. C'est la honte sur sa famille. Alors là, au niveau de la carte stupide, je vois une dame qui regarde la mer de nuit. Et qui a l'air d'observer une grande lumière qui vient d'un phare. Donc je pense que là, on veut nous dire que les gens se sont laissés complètement aveuglés. Elle s'est servie de la bêtise des gens. Effectivement, elle a créé la confusion avec des blablas, avec les personnes qui travaillaient pour elle et qui ont bien su utiliser les enfants des gens. Elle est coupable de douleur, de tristesse, de chagrin, elle a créé quelque chose qui s'apparente. Alors, je dirais pas que la personne. Bien sûr qu'elle a tué personne, évidemment. Mais par contre, symboliquement, elle a tué quelque chose et elle en est coupable. Elle a tué certainement. On va regarder si on peut nous en dire plus. C'est exactement ça. Elle est coupable de traîtrise. Il me semble que dans les bras de la personne précédente, on pourrait dire que c'est une personne plus jeune. Et pour moi, elle est coupable d'avoir trahi la confiance des jeunes. Là, on la voit on peut voir une situation en fait d'hypocrisie. Donc elle est coupable de ça. Coupable de mensonge et de volonté de vice, en fait. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. On a voulu. Alors, supprimer, est-ce que ça va supprimer la joie dans son couple? Je ne sais pas. Ah oui. On est de nouveau sur des chemins qui ne vont pas dans le même sens. Donc, ça a pu renforcer le couple, peut-être, et supprimer des tensions qui existaient avant, dans le foyer. Peut-être que ça les a rapprochés finalement. Ouais. Je pense qu'en réalité, ça a rapproché Magali Berda de son futur mari. Une scène d'infidélité, donc avec un homme qui sort par la fenêtre, la femme qui est dévêtue. Donc l'attitude, ça serait vraiment décrit ici comme de la tromperie, quoi. L'attitude volontaire de tromper les gens. Je parle pas de son conjoint, mais je parle toujours par rapport à son business. Oui, une attitude toujours dans la séduction. Et une attitude par rapport à. Oui, en fait, si vous voulez, donc là, on nous montre vraiment. Divers facettes, donc de tromperie. Finalement, on peut voir ici qu'il porte sa main sur son ventre. Donc, elle a fait grandir en fait ceci. Et après, je tire cette carte, la nativité, la naissance. Donc, elle a vraiment participé dans son attitude à mentir, à cacher, à faire grandir les choses et à s'insérer dans les foyers des gens. C'est assez intéressant. Très bien. Et je vais regarder donc les trois cartes qui étaient
trois cartes qui étaient retournées, donc deux qui étaient tombées, une qui s'était retournée. Et on a un couple qui est en désaccord, ne se parle plus, manque d'intérêt l'un pour l'autre. Un homme qui sort de terre pour rejoindre les anges. En tout cas, qui l'implore. Et un couple qui se dispute. Voilà. Donc pour moi, ces petites cartes-là en complément, celles qui se sont retournées toutes seules, indiquent vraiment une hostilité envers Madame Berda. Là, elle cherche le salut pour pouvoir s'en sortir. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir des confrontations. Elle va être confrontée, elle aussi, et peut-être plus que les autres. En tout cas, elle ne s'y attend pas parce qu'elle a très bonne connexion. Mais je pense que certains députés vont plus laisser passer. Et j'espère en tout cas que... si les influenceurs sont sanctionnés, il n'y a pas de raison que les agents ne le soient pas. Et quand je dis Magali Berda, je pense aussi à Wesley Nakache, toutes les personnes qui dirigent les agences, en fait, parce qu'il y a une loi et c'est comme ça, elle doit être appliquée. C'est facile après de venir pleurer sur les réseaux sociaux quand on est des influenceurs comme certaines qui se font refaire le VAGIN. Quand on n'a pas de cerveau, quand on ne sait pas réfléchir, quand on ne sait pas utiliser les bons mots et qu'on s'excuse tous les deux jours sur les réseaux sociaux. Et là, je ne parle pas de Magali Berda, mais bien de sa petite protégée de Marseille et de Dubaï. Moi, des gens comme ça, si vous voulez, j'estime quand même qu'ils ont une responsabilité et que si leur agent est toujours là à les protéger en disant « Ben oui, mais c'est une petite fille, elle ne sait pas trop ce qu'elle dit », non seulement c'est un mauvais agent, et en plus, c'est une mauvaise personne. Donc, en réalité, j'ai hâte de savoir ce qui va pouvoir advenir de ce milieu. Je vous souhaite à tous de vous renseigner avant d'acheter quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, il y a moins de placements de produits, ben, un bon conseil, vérifiez toujours AliExpress, Temu, Amazon, Cdiscount, ce que vous voulez. Mais en tout cas, allez comparer les prix, regardez les composants des certaines boissons, de certains produits alimentaires, compléments alimentaires qui sont censés remplacer des repas. Oui, effectivement, c'est judicieux de manger trois fois des berlingots par jour. Je pense que c'est bien de dire ça à des gamines de 14-15 ans en pleine adolescence, en pleine croissance, qui ont déjà du mal à supporter leur corps. Et surtout quand on est rempli de plastique soi-même et de faux semblants, qu'on ressemble absolument pas à ce que Dieu nous avait donné parce qu'on a décidé de se faire refaire les fesses, les seins, la bouche, le nez, les pommettes, la mâchoire et toujours un peu plus, enlever une cicatrice par là, en rajouter une autre par ici. Chacun fait bien comme il veut, mais s'il vous plaît, n'ayez pas l'outrecuidance de venir nous dire comment être belle au naturel. Vous savez pas du tout ce que c'est le naturel. Même quand vous vous réveillez le matin, finalement, vous êtes déjà en plastique, donc... Ça, c'est mon avis. Je me permets de le donner parce que c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'abus et qu'on n'écoute absolument jamais personne là-dessus. Je pense qu'on est nombreux à penser ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont porté plainte parce qu'ils se sont fait avoir. Donc, c'est ma petite façon de leur rendre hommage avec ce tirage-là. Et sans rancune, si Madame Berda, par le plus grand des hasards, un jour tombait sur cette vidéo, vous êtes une personne publique. Je ne résume absolument pas votre personnalité à ça. Par contre, votre activité professionnelle... j'ai le droit d'en avoir une opinion. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous propose peut-être une vidéo demain, mais rien de sûr, puisque demain, nous sommes dimanche et que le dimanche est un jour de repos chez nous. Alors, il est possible qu'en fonction de l'actualité, je reprenne ma caméra quand même d'ici aujourd'hui ou demain, pour vous apporter quelques compléments d'information sur l'affaire Delon, par exemple, qui m'intrigue. L'affaire Delon et de sa dame de compagnie qui est accusée de maltraitance envers lui. J'avais aussi un sujet qui était prévu, mais pour le moment, je vais peut-être le mettre en attente, parce que c'est un sujet qui est très long, donc je vais essayer peut-être de tirer déjà les cartes, de les disposer, et puis de les retourner avec vous pour vous faire gagner du temps, d'interpréter, de vous donner que mon interprétation par la suite. Je vais voir un peu comment l'organiser, et puis à ce moment-là, quand j'aurai trouvé la bonne solution, je m'y attellerai. Si vous avez des idées de sujets, des choses qui vous tiennent à cœur, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à m'écrire surtout. Vous pouvez trouver des sujets intéressants que je ne connais pas, vous pouvez avoir plein d'idées et je serai la première ravie de pouvoir participer à ma façon
à un sujet qui vous plaît plus que les autres. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end si je ne revenais pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.